أكيد عرفتوا ورانا متواجدين. توتوبسيون حطت الرحال بولاية وهران وبالتحديد في منطقة طفراوي داخل مصنع علامة فيات الإيطالية. المصنع اللي يعرف وتيرة أشغال جد متسارعة من شهر لشهر، الحق لنسبة 75%. أكيد راح تسألوا وش من السيارة الأولى اللي حتخرج من هذا المصنع؟ الجواب هو لافيات 500 في ديسمبر 2023، يعني بعد حوالي 3 أشهر من الآن. أما فيما يخص الدوبلو راح نشوفوه بداية 2024 وبالتحديد شهر فيفري، 61 ألف ساعة من تكوين هنا في الجزائر ولا حتى خارج الجزائر. كانت لفائدة العمال حيشتغلوا في هذا المصنع من أصل 90 ألف ساعة مقررة حتى ديسمبر 2023. وموديلات أخرى راح تشوفوها سنة 2024 تدخل بينسير وحدة إنتاج علامة فيات. لوتو دانتيغراسيون يعني نسبة الإدماج المحلية راح تلحق حوالي 30% ابتداء من 2026، وبالتأكيد العمال عددهم راح يفوق ربما 2000 ولا يقارب 2000 عامل في هذه الوحدة فقط لإنتاج سيارات علامة فيات. اليوم عايننا وشفنا في الورشة اللي راهي موجودة هنا باللي تقدم الإنجاز راهو حسب البرنامج اللي اتفقنا عليه في البداية، حوالي 75%، ما بقى إلا شيء قليل باش نوصل 100%، ولكن الشيء القليل اللي مازال هو تكوين، هو بعض الآلات لازم تتنصب، أول سيارة إن شاء الله تخرج من هذا المصنع في شهر ديسمبر 23. maintenant pour Jacques et Opel ils ont eu leurs agréments mais il faut qu'ils aient l'autorisation de régulation pour pouvoir importer et que on est comme من هنا لا فين داني ان شاء الله يكونوا Fiat Opel et Jacques. Avant de commencer à importer, il faut qu'il commence à réaliser son usine à l'image de Fiat. Le jour où il commencera, on a été au Jib. Khlas, avec le jeu de Jib ou de l'usine. Tant qu'il n'a pas commencé à réaliser l'usine, il n'aura aucune autorisation pour importer une roue. Le devenir des unités de montage passées. Vous savez qu'il y a eu des opérations de confiscation par la justice de tous les biens qui étaient la propriété des gens que vous connaissez. Leur devenir sera fixé une fois que ces installations seront remises par la justice au secteur de l'industrie. Mais je vous dis tout de suite, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est des hangars. Et s'il vous plaît, oubliez l'histoire des usines de montage. Ce n'était pas des usines de montage et vous le savez très bien. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui car notre projet en Algérie s'inscrit parfaitement dans cette perspective de construction d'une offre en réponse aux besoins des marchés avec une production au plus près des clients. Et comme l'a mentionné Samir, notre ambition dans la région et de produire localement plus de 1 million de véhicules, ce qui est un volume très conséquent. La construction d'une nouvelle usine d'assemblage est toujours un événement important, et c'est un événement rare. Donc c'est une raison pour laquelle c'est un grand plaisir pour moi d'être ici, mais aussi pour mes équipes de participer à ce projet. L'usine de Fiat aujourd'hui est arrivée à un stade d'avancement des bâtiments et infrastructures à 100%. C'est-à-dire que le bâtiment montage, le bâtiment logistique, la piste, le test des véhicules sont complètement terminés aujourd'hui et prêts à fin août. Donc aujourd'hui, ces bâtiments sont prêts à accueillir les équipements, machines et process pour lancer la production. Donc on est complètement en ligne avec les jalons que nous sommes fixés, c'est-à-dire à fin août. Et donc c'est un jour important qui nous met dans une nouvelle phase qui est l'implémentation des équipements et machines dans les chaînes de production. Dans les 3 semaines qui viennent,
On va continuer à mettre en place les équipements et machines dans les chaînes et les branchements nécessaires pour les équipements et machines. Et les premiers tests de production auront lieu fin septembre, début octobre. C'est des tests prototypes qui vont commencer, mais on est complètement en ligne pour préparer un lancement de production en décembre 2023. Pour le démarrage de décembre, nous allons avoir 300 coéquipiers qui seront formés à lancer l'usine. Un mois après, 300 autres collaborateurs vont les rejoindre. Donc on sera au nombre de 600 d'effectifs en début d'année prochaine pour justement accompagner le lancement du deuxième modèle dans la chaîne de production. Donc comme l'a déjà annoncé, on commence par la production de la Fiat 500 en décembre et de Doblo en février. Donc pour accompagner ce deuxième lancement, on montera les effectifs à un niveau de 600 collaborateurs. À la date d'aujourd'hui, nous avons déjà formé l'ensemble des collaborateurs. Pour l'intégration et la sous-traitance, nous avons déjà commencé le travail depuis longtemps. Nous avons en fait trois catégories. Une première catégorie, c'est les fournisseurs qui sont déjà opérationnels et qui connaissent l'activité automobile. Ceux-là, on les a déjà identifiés et avec lesquels nous sommes déjà en discussion pour finaliser les contrats. Il y a une deuxième catégorie d'industriels algériens qui produisent la pièce de rechange, mais qui aujourd'hui la vendent uniquement pour l'après-vente. Ceux-là, ils ont les moyens pour évoluer et être fournisseurs de l'usine. Donc on travaille avec eux pour justement les accompagner en termes de procédure qualité, en termes de formation et en termes de standards pour qu'ils puissent justement fournir l'usine. Et puis une troisième catégorie, c'est les fournisseurs étrangers avec lesquels nous sommes en discussion pour venir s'installer ici pour différents types de composants. Les discussions sont très avancées et nous avons déjà identifié quelques partenaires qui vont nous accompagner dans le projet.